C'est vous les experts, je dirais. Moi, en étant l'entraîneur de l'équipe de Saint-Étienne, par rapport à ce qu'ont fait les garçons, je dirais dans l'intensité, dans la volonté de jouer, d'aller presser, sur le nombre d'occasions, oui, je pense que le nul aurait été tout à fait logique. Mais pour faire un match nul, il aurait ou fallu ne pas prendre de but ou réussir à revenir au score. Non, après, c'est une adaptation. Je pense qu'avec l'expérience qu'on a sur le terrain, on peut arriver à régler rapidement ce genre de situation. Non, j'en veux pas à mes joueurs. Autant après le match de Lille, j'étais déçu de ce qu'on avait pu produire. Autant ce soir, j'ai vu des signes positifs malgré ce résultat. Alors, c'est ce qu'on regarde, mais j'avais dit, on va avoir un début de saison extrêmement difficile avec, je crois qu'on est la seule équipe à s'être déplacée 3 fois sur 4. Voilà, on a les points qu'on a, il faut pas se focaliser là-dessus. Il faut continuer à travailler. Et si on garde cet état d'esprit, cette volonté, je dirais, et cette adaptation, parce que ce soit, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le premier schéma, où cette équipe de Marseille avait quand même beaucoup de mal à venir nous contrôler. Et ensuite, quand on a basculé à 4 derrière, on a maintenu une certaine emprise. Donc les joueurs sont très réceptifs. Je suis sûr qu'on va y arriver.